Et la communication que je vais vous présenter, elle s'insère dans un projet plus vaste que je mène avec quelques collègues à l'Université Nouvelle de Lisbonne sur la musique pour le cinéma au Portugal. Dans cette présentation, je voudrais vous proposer une lecture analytique de quelques fragments de la partition symphonique et chorale écrite par le compositeur portugais Jordi Braga Santos pour le film « Chaimit », un film de 1953 qui raconte l'action des troupes coloniales portugaises au Mozambique à la fin du 19e siècle. Je m'attarderai surtout sur ce film, dont la partition a été récemment rendue accessible à la Bibliothèque nationale du Portugal, en essayant d'identifier quelques stratégies musicales qui, selon moi, appuient et renforcent la puissance de ce film en tant que produit de propagande coloniale. Et puis, à la fin, si j'ai le temps, on verra, je terminerai par une brève confrontation de cette musique de film avec celle du deuxième mouvement de la cinquième symphonie écrite par ce même compositeur, quelques années plus tard, en 1966, pour célébrer le 40e anniversaire de la dictature portugaise, et qui s'inspire lui aussi du folklore musical du sud de Mozambique. L'action du film Chaimit, qui a été réalisé par Bruno do Canto, se déroule donc à la fin du 19e siècle et retrace les campagnes de l'armée portugaise pour pacifier la région sud du Mozambique. Il accompagne surtout les faits d'armes des principaux commandants militaires de ces opérations africaines, Paiva Cosseiro, Carl de Xavier et Mozinho de Albuquerque, depuis l'attaque de la capitale de la colonie par les rebelles de l'ethnie Vatwa, jusqu'à la capture de leur chef, Gungunyane, lors de la prise de Chaimit, qui donne son nom au film. À cette épopée militaire, présentée comme le combat héroïque de quelques soldats blancs devant lutter contre des ennemis bien plus nombreux qu'eux dans un environnement difficile et un climat inclément, s'ajoute une autre narrative parallèle, l'histoire de Maria, une jeune femme récemment arrivée de la métropole, et partagée entre l'amour de deux soldats, Daniel, un colon qui lui fit découvrir l'amour pour cette nouvelle terre à explorer, et João, son fiancé, qui décida de s'engager dans le corps expéditionnaire seulement pour pouvoir la rejoindre au Mozambique. Donc à la fin du film, la victoire définitive de l'armée portugaise sur les insurgés, avec la capture de Gungunyane, est renforcée par le happy end de cette histoire parallèle, quand Maria choisit de se marier avec Daniel, le colon, et les deux partent pour aider à la formation d'une nouvelle ville dans l'intérieur des terres, sorte de pendant positif et civilisateur de l'anéantissement militaire des rebelles. Ce film fut reçu à l'époque dans la presse portugaise comme un film exemplaire, traduisant fidèlement les valeurs coloniales portugaises, et obtint à ce titre les prix nationaux du meilleur film et du meilleur acteur pour l'année 1954. Le film répondait à des fins politiques évidentes, et même s'il fut produit par une entreprise privée, il reçut un large soutien financier de la part de l'État. Dans les années 50, allant à contresens du mouvement de décolonisation initié après la Seconde Guerre mondiale, le dictateur portugais Oliveira Salazar continuait à proclamer le droit pour les Portugais de conserver leurs domaines coloniaux, en s'appuyant sur l'idée que les colonies portugaises ne constituaient pas des provinces d'un empire, mais bien des territoires appartenant à une même et seule nation. Il ne s'agissait donc pas de territoires administrés, mais, selon la rhétorique officielle, des parties d'un ensemble unifié. Et les auteurs de Chaimit ne cachaient pas leur intention de renforcer cette représentation idéologique, utilisant clairement la référence aux campagnes militaires de la fin du XIXe siècle pour légitimer et justifier la présence coloniale portugaise en Afrique dans les années 50. Ce qui est particulièrement intéressant dans ce film, c'est que Bruno do Canto, le réalisateur, eut recours aux formats les plus clairement hollywoodiens possibles pour son adaptation de ce récit colonial. Il s'agissait non seulement de faire un film exemplaire, mais aussi un film divertissant. Et parmi les genres disponibles du modèle américain, il choisit, et ce n'est pas étonnant finalement, celui qui était le plus à même de dépeindre cette aventure d'une petite communauté de colons, construisant de nouvelles villes dans des espaces immenses et inexplorés, attaqués de toutes parts par des indigènes hostiles et violents, pour être sauvés à la fin par la cavalerie de l'armée portugaise, c'est-à-dire bien sûr le western. Plusieurs historiens du cinéma ont souligné la présence d'éléments formels du western dans le film Chaimit, et en particulier l'influence des films de John Ford sur l'esthétique de Bruno do Canto.
un de ses historiens, Mario Jorge Torch, identifie même trois manifestations évidentes. Ah, donc ça, c'est l'idée que le Portugal n'était pas un empire avec des territoires coloniaux, mais bien un seul et même pays, comparable, comme vous voyez, à l'Europe ou aux États-Unis. Donc ça, c'était vraiment très important dans la rhétorique du régime. Mario Jorge Torch identifie trois manifestations évidentes de cette influence fordienne dans le film. Tout d'abord des citations directes, puis des éléments structurels et aussi même la façon de composer des images. En ce qui concerne les citations, et je le cite, il dit « les tactiques de bataille et les manœuvres de l'armée » dont Chaimit semble citer des passages célèbres des films de Ford. Parmi ces citations, on pense aux soldats sonnant le clairon, la caravane qui traverse la prairie, la cavalerie avançant en colonne, l'infanterie postée en diagonale et se préparant à tirer, les scènes de bataille séparées en deux camps qui s'affrontent, ou les lignes d'horizon soulignant l'étendue de l'espace. On trouve aussi des analogies structurelles entre l'intrigue de Chaimit et celle des films classiques de Ford. Par exemple, cette manière d'intégrer les sous-récits dans la narration principale. Et Torch retrouve donc dans Chaimit cette fusion opérée entre un événement historique et la vie des personnages, entre l'épique et le mélodrame. Le troisième écho identifié se situe au niveau de la stratégie de composition de l'image, et plus précisément la technique du cadre dans le cadre, qui s'avère décisive dans Chaimit. Par exemple, dans la spatialisation des frontières de genre, par exemple, la porte de la cuisine qui sépare l'espace masculin de discussion de l'espace féminin réservé aux activités domestiques, mais aussi de race, par exemple, l'espion indigène qui regarde dans la maison des colons par la fenêtre, et du sacré, par exemple, dans les deux exemples que vous voyez sur la droite, la croix qui est montrée par la porte de la chambre et qui isole donc l'espace domestique sacré et protecteur du monde extérieur dangereux et païen. Mais qu'en est-il de la musique dans ce film et quel était son rôle dans une œuvre aussi clairement pédagogique sur les vertus de l'Empire portugais? De quelle façon interagissait-elle avec cette symbolique forte de la narrative et de la composition visuelle? Les commentateurs de Chaimit se sont jusqu'à présent très peu intéressés à sa partition, et donc composée par Jolly Braga Santos, un musicien de la génération de l'après-guerre, dont l'esthétique était marquée par le refus de l'avant-garde et la recherche d'une évolution de la tradition symphonique sans rupture radicale, et qui trouva dans la musique de cinéma un terrain où ce type de recherche musicale était encore possible et avait encore lieu d'être. Je n'ai pas ici, bien sûr, le temps d'analyser l'ensemble de la partition. Ce que je voulais seulement, c'était de vous présenter quelques éléments que je considère caractéristiques de cette musique, en essayant de voir à chaque fois comment il renforce la puissance symbolique du récit du film. Et je voudrais commencer par la caractérisation musicale des rebelles africains. Et je vais vous montrer donc la première scène du film. Il commence comme ça. Évidemment, cette utilisation de la musique pour que le spectateur identifie très rapidement certains espaces géographiques ou une période historique ou des groupes nationaux ou ethniques, c'est une des fonctionnalités les plus fréquentes dans la musique de film et qui, comme on sait, relève le plus souvent du stéréotype. Bon, dans le cinéma, on utilise beaucoup comme ça des informations musicales pour situer très vite une scène. Et bon, si vous voulez, les cas les plus
les plus stéréotypés. De, par exemple, si la scène se passe à Paris, on entend un accordéon. Si ça se passe en Espagne, on entend du flamenco. À Buenos Aires, un tango. À Lisbonne, un fado, etc. Ainsi de suite. Pour qu'on identifie très rapidement le spectateur, l'aider à situer très vite où se passe, en termes spatio-temporels, ce qu'on est en train de voir. Un usage qui, d'ailleurs, a toujours été beaucoup raillé par les gens qui se sont intéressés à la musique de film, à commencer par Adorno et Eisler, dans l'ouvrage célèbre sur musique et cinéma dans les années 40. Mais bon, malgré sa dimension banale, le stéréotype, évidemment, nous dit toujours beaucoup. Et donc là, l'idée de présentation de cette musique est assez intéressante. Et pour la penser, je voudrais aussi renvoyer aux travaux de Mark Slobin, un ethnomusicologue qui s'est beaucoup intéressé à la musique de cinéma dans les dernières années, et que dans son livre Global Soundtracks propose d'écouter la musique des films en ethnomusicologue. Non pas pour récolter dans le film des données sur les pratiques musicales réelles, mais en essayant de comprendre les pratiques musicales des groupes sociaux à l'intérieur de la narrative filmique en tant qu'ethnomusicologue. Et donc il reprend à son compte l'idée de musique vernaculaire, donc, comme cette musique qui apparemment émerge d'un groupe particulier à l'intérieur d'un film. Et donc cette idée de quelle est la musique qui émerge d'un groupe présenté au cinéma peut être aussi bien produite par une source musicale clairement identifiable, diégétique, on le dira, ou aussi par la partition de la musique de fond. Ce qui est important pour lui, c'est que donc, ce segment de bande sonore est toujours central pour l'authenticité que le public absorbe, donc la réalité présumée de l'univers du film. Et donc, ce qui m'a intéressé dans cette scène initiale, c'est précisément qu'elle a posé énormément de problèmes aux compositeurs. Quelle musique écrire pour ce segment. Évidemment, il faut rappeler qu'évidemment, cette musique n'a pas été enregistrée au Mozambique au moment du tournage. Donc, le tournage, comme se faisait à l'époque, a été tourné muet. Donc, les images qu'on a vues ont été tournées au Mozambique, mais sans son. Et donc, tout le travail de bande-son a été fait en post-production après à Lisbonne. Et donc cette musique-là a été composée par Braga Santos et a été chantée par des interprètes portugais. Et donc apparemment, il a beaucoup hésité à quelle musique faire pour ce segment. Et c'est d'ailleurs le seul moment où on a plus qu'une version dans le manuscrit qui est conservé à la Bibliothèque nationale. Donc ça, ce que je vous montre ici, c'est la première version qui n'a pas été utilisée dans le film. Et qui est intéressant parce que elle a une couleur primitiviste très 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 claire avec cet élément rythmique de quatre croches qui est très important dans l'imaginaire d'Hollywood comme le thème des Indian drums et qui parcourt pratiquement toutes les bandes sons du cinéma américain depuis la naissance d'une nation d'une nation de Griffith, où il est déjà présenté comme le thème barbare des Noirs qui arrivent aux États-Unis, et qui après sert un peu pour tout et n'importe quoi, et surtout pour la caractérisation des Indiens dans les films des westerns, tout en sachant que c'est un élément rythmique qu'on ne trouve pas dans le folklore des Indiens d'Amérique, mais qui après est constitutif de cet imaginaire d'authenticité des Indiens dans le western. Et donc, vous vous rappelez certainement de toutes ces scènes de prairies où tout d'un coup on entend pom, 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 pom. Et bon, et on sait que les Indiens, ils sont quelque part, alors qu'évidemment, ça n'existe pas dans le folklore indien. C'est vraiment ce qu'ils appellent le... Indian drums, voilà. Et c'est intéressant parce que donc, le premier réflexe de Braga Santos quand il doit composer de la musique pour cette assemblée de guerriers noirs violents, c'est précisément d'avoir recours au cliché de Indian drums, avec cet accord de deux quintes superposées qui fait aussi un côté un peu barbare. Et donc la deuxième version est un peu différente, elle présente une seule longue note tenue par les violoncelles et la contrebasse, et donc il se cherche encore, il y a quelque chose de différent, et finalement il finit par écrire celle-là qui n'a pas de d'instrument, et qui est donc juste
la reprise de donc les paroles, elles sont vraiment de dialecte du sud de Mozambique, mais que c'est une récréation donc qu'il fait avec des chanteurs portugais et qui donne ça. Donc ce que vous attendez, que vous avez entendu dans la scène initiale. Ce qui est intéressant, donc, c'est que cette musique peut être considérée comme un bon exemple de cette idée d'une musique vernaculaire d'emprunt, comme dit Slobin. Donc une musique inventée pour être présentée comme si c'était la vraie musique du groupe social imaginé et filmé. Et précisément, ça nous ramène à nouveau à ce modèle du western, parce que comme l'a montré Slobin, les partitions écrites pour les films de John Ford, et en particulier la représentation musicale des Indiens et des Mexicains dans ces films, comme par exemple dans La prisonnière du désert, relève aussi de cette idée d'une musique vernaculaire d'emprunt. Ce qui est, dans la scène qui suit tout de suite la présentation des rebelles, on entend quelque chose de complètement différent. Et donc ça, c'est ce qui suit la scène qu'on a vue. Hey, vamos de aí! Olha, viva o Sr. António! Sr. António! Então o que é isto, que é roça? Ninguém dia santo não se trabalha. Ai, não! Olha, Sr. António, o meu plenário, Sr. Zaja, dizia sempre neste trabalho da terra, todo... Et donc là, c'est très intéressant parce que bon, on passe à la présentation d'une petite communauté de colons portugais au Mozambique. Et là, on entend cette musique très lyrique dans un style, on pourrait dire, pastoral, et qui n'est pas du tout non plus une musique portugaise, mais qui, encore une fois, reprend le jeu d'opposition de la musique du cinéma d'Hollywood pour définir une autre place, celle de la place des colons pacifiques qui travaillent la terre et qui vont, on le comprend tout de suite à l'écoute, avant même qu'on nous dise quoi que ce soit, qui vont être menacés par cet groupe qui nous a été présenté comme violent et barbare juste avant. Et donc ça, cette question me paraît très importante du rôle que la musique joue dans le film de renforcement de la pensée coloniale portugaise de l'époque, parce qu'elle va se baser vraiment dans la différence entre violence et force. Ça veut dire que face au chant guerrier qu'on a écouté au début, l'armée portugaise va apparaître à l'écran toujours avec des sons de tambour et de clairon, une musique vraiment disciplinée, en totale opposition. Et je vous montre juste un court extrait de... musique assez cinématographique, qu'on pourrait s'attendre dans la représentation de ce type de mouvement militaire, mais qui aide au renforcement de cette opposition entre quelque chose qui émane de la force, de la discipline du pouvoir blanc civilisé, qui va s'opposer au déchaînement violent des guerriers africains. Et cette opposition est particulièrement intéressante dans le film parce qu'elle renvoie vraiment à quelque chose qui était idéologiquement construit par le dictateur lui-même, par Oliver de Salazar, dont la distinction entre violence et force était vraiment constitutive de son discours politique, puisque pour lui la première serait de quelque chose d'arbitraire, alors que la force serait l'expression d'une autorité morale qui chercherait à rétablir la légalité dans une situation de désordre, d'où l'idée qu'il a défendue souvent, que la dictature se devait d'être forte, mais jamais violente. Évidemment, c'est une façon de légitimer toutes les exactions et tous les abus du régime. Encore sur la question de la définition musicale des colons, la chose intéressante, c'est
qu'eux aussi, au long du film, ont une musique vernaculaire. Et là, elle joue un rôle complètement différent de la musique vernaculaire d'emprunt des populations africaines. Le moment le plus important de cette culture musicale de ce groupe social à l'intérieur du film est le surgissement du fado à un certain moment, et qui arrive pas à n'importe quel moment, au moment où il y a une discussion entre les colons sur le sens même de cette guerre. Et donc quand ils discutent et ils se disent que finalement cette guerre n'est pas juste une question de défense de la terre contre ceux qui viennent les agresser, mais vraiment cette idée de protection des familles et des familles qui vont encore naître dans ce territoire. Ce qui est évidemment le point, le nœud fondamental en termes idéologiques du film, qui est de dire que les Portugais sont chez eux au Mozambique, ils ne sont pas colonisateurs, ils sont dans leur patrie. Et donc quand tout de suite après cette petite discussion, le fado surgit et d'une façon assez... Je vais passer, il faut que mon fou. Le texte qui est en bas, c'est ce que ce monsieur est en train de dire à gauche. Esta guerra, Daniel, é ainda mais do que a defesa da terra. É a defesa das nossas famílias e das famílias que delas vão nascer. Fado va ressurgir dans le film dans des situations assez similaires, mais donc mais là ce qui est intéressant, c'est que ils ont choisi un fado assez classique, assez célèbre, c'est o Fado Hilário, qui a été composé autour de 1890, c'est-à-dire peu avant le temps historique de l'action du film, ce qui veut dire que là l'emprunt au stéréotype se devait d'être historiquement plus précis pour obtenir le même effet d'authenticité, parce que bon, il ne serait pas obtenu avec un fado que les gens reconnaîtraient comme plus récent. Pour aller vite, je ne sais pas si 5 minutes. Oui, bon, donc voilà, donc je n'ai pas vraiment beaucoup de temps. Mais le dernier point qui pour moi, donc, il y a aussi, que je ne vais pas vous montrer, mais un élément intéressant, c'est le surgissement régulier de musique chorale non diégétique, ça veut dire de musique qu'on ne voit pas les chanteurs, mais on entend dans la bande-son, et qui est toujours associée à des moments religieux des colons. Et donc on entend dans des moments, par exemple quand ils célèbrent Noël, on entend des voix chanter « N'adoramos te », qui précisément renforce cette idée de cette population protégée par un dieu bienveillant, entouré par, si vous voulez, le danger du paganisme. Donc tout ça aide à renforcer cette particularité de la caractérisation musicale des colons. Mais ce qui est aussi assez intéressant, c'est le fait que les populations africaines assimilées, donc celles qui auraient accepté la domination portugaise, apparaissent d'une façon absolument non personnalisées dans le film, et ils deviennent une sorte de masse sans identité. Et ils n'ont pas non plus de musique propre. Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et il y a un auteur récemment, José Ricardo Carveller, qui a montré comment dans ce film, effectivement, ces populations assimilées sont présentées comme un groupe anonyme, sans aucune conscience de soi. Et il y a une image, une mise en scène assez explicite de ça, qui est ce petit... c'est ce petit passage que je vais vous montrer. Patrão, Maguana anda perto. Maguana? Sim, senhora patrão. Traz o guerreiro Maninga. Diz que há de vingar o pressão de um Guiana. Mas Maguana é o Paulo, não é Daniel? Qui est assez intéressant vraiment, pratiquement dans le caractère explicite, montrant donc Daniel et Maria, qui entre-temps se sont mariés et ont eu un enfant, et qui sont partis dans la brousse pour fonder cette nouvelle ville, et qui nous sont présentés de face comme des individus singuliers, avec des interactions entre eux, avec des liens familiaux, et
par opposition à ces indigènes qui nous sont montrés de dos, donc ils n'ont pas de visage, et dont on ne voit que les attributs de travail et les outils. Donc il y a vraiment, on ne peut pas être plus explicite dans ce partage. Et donc ce qui est intéressant dans le film, c'est que vraiment, les populations africaines censées avoir été assimilées par le colonialisme portugais n'ont pas ni de visage et n'ont pas de musique non plus. Donc il y a, comme s'il n'y avait pas d'espace entre cette musique barbare du début, ces tambours, et la musique spirituelle des Blancs. C'est montré aussi d'une façon musicale très, très précise dans le moment culminant du film, qui est donc la capture du chef des insurgés, Gungunyan, où on assiste véritablement à une représentation littérale de l'idée de réduire au silence les populations indigènes. Et donc vous avez la traduction de ce qui est dit en bas, et donc ça c'est le moment où précisément le commandant portugais donc fait prisonnier le chef des Africains. Sou o chefe, sim. Ainda é de cortar teu pescoço. Pouco barulho. Senta-te. Onde? No chão. Está sujo. Senta-te. Todos manifestam a sua alegria por se verem livres de ti. Onde está o... Donc, bon, cette image qui est vraiment assez frappante comme sorte de résumé de l'idéologie du film, et qui est devenue d'ailleurs une sorte d'icône de l'imagerie coloniale portugaise, parce que, bon, précisément, parce que ça résume tellement ce rapport. Est vraiment une opération de réduction au silence. Et c'est ça qui est assez intéressant, parce que bon, il y a dans l'image tout ce montage très rapide des champs contre champs et du piqué contre piqué, qui dramatise ce pouvoir du colonisateur et l'humiliation de l'opprimé. Et tout ça renforce cette idée que... et qui est centrale au film, et que je pense que c'est là qu'il y a vraiment quelque chose d'une politique symbolique qui est renforcée par le film, de cette idée que si les colons portugais ont gagné ces guerres d'occupation, ce n'est pas à cause de leur pouvoir militaire ou de leur capacité technique, mais bien par leur pouvoir symbolique, par la supériorité de leur civilisation et de leur morale. Et donc, plus que dans le camp de bataille, ça se joue dans le jeu de regard entre le blanc et... le noir. Et donc, et c'est aussi très renforcé dans la bande-son, parce que comme vous avez vu, il y a une sorte d'imprécation du chef africain au moment de sa capture, qui est littéralement submergé par la partition de Braga Santos, avec un accord très dissonant joué en tri par les cordes, et par cette mélodie très, très aigre et rugueuse joué par la trompette et le trombone, avec la sourdine, mais en fortissimo. Donc il fait vraiment ce et donc il y a là quelque chose de très violent dans la musique, et précisément qui précède le silence où le jeu de regard va avoir lieu, en sachant aussi qu'après, c'est le son des boucliers qui finalement va attester la victoire du commandant blanc, et dire donc cette idée qu'il interprète comme un signe d'approbation. Et ça, c'est très intéressant, parce que c'est là que se joue ce jeu symbolique que, en fait, transforme cette armée portugaise d'une armée d'occupation et d'oppression
par le truchement de cette représentation en armée de libération. Et finalement, c'est tout ça l'idée idéologique du film, c'est que l'armée portugaise est là pour libérer ces populations noires. Donc juste, je sais que j'ai déjà probablement dépassé le temps, juste un petit commentaire sur une œuvre plus tardive de ce même compositeur, donc Braga Santos, composée en 1966. Au moment où il a reçu une commande pour faire une grande symphonie pour commémorer le 40e anniversaire de la dictature portugaise. Et c'est intéressant parce qu'il a eu recours dans cette symphonie à des éléments de folklore du sud de Mozambique. Et d'ailleurs, dans le contexte de cette commande, il a même fait un voyage, parce que bon, à l'époque, quand il a composé Chaimit, il n'avait jamais visité l'Afrique, donc, et là, il s'est déplacé là-bas, et il a pu découvrir certaines pratiques traditionnelles du sud du Mozambique, notamment les orchestres de marimbas, même si c'est en fait pas tout à fait traditionnel, dans le sens où l'idée de l'orchestre de marimba a été aussi une création coloniale. Et là, vous voyez des photos, des grands rassemblements qui ont été organisés lors des déplacements du président de la République. Et ça, c'était le pouvoir colonial qui organisait ces choses-là. Mais bon, c'est devenu une sorte de tradition. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va donc utiliser ce dispositif de l'orchestre de marimba dans... au début du deuxième mouvement de cette symphonie, donc de célébration de la dictature, et je vous mets juste les premières mesures de ce... Bon, on n'entend pas très bien parce que de toute façon c'est joué piano, mais c'est l'idée comme ça d'une trame de superposition de différentes lignes et qui évoque un peu cette couleur de ces orchestres de marimba. Je n'ai pas le temps de le développer, mais l'idée, ça serait un peu cette symphonie composée en 66 est déjà dans un contexte historique complètement différent. Les guerres coloniales ont commencé, d'abord en 61 en Angola, après en 63 à Guinée-Bissau, et après en 64 au Mozambique. Et donc c'est une symphonie composée déjà pendant la période de la guerre coloniale en Afrique. Et donc là, tout d'un coup, le discours idéologique du régime est complètement différent. L'idée de justification de cette présence portugaise en Afrique est celle d'une nation pluricontinentale, diverse, avec différentes cultures, toutes unies dans une même nation. Et là, du coup, l'idée du folklore africain devient, d'une certaine façon, quelque chose de positif qu'on peut montrer comme faisant partie de la diversité du folklore de ce grand pays pluricontinental. En sachant que tout ça est un peu plus compliqué, mais bon, c'est l'idée quand même intéressante de voir comment, finalement, le même compositeur, à quelques années d'intervalle, va créer des images de l'Afrique complètement différentes, si vous voulez, toutes aussi fantasmées et rêvées les unes que les autres, mais qui ont, que ce soit ce lieu de danger, de barbarie, de pulsion des guerriers du début du film de Chaimit, ou cette idée de peuple... heureusement qui se sont intégrés d'une façon harmonique à l'ensemble national et dont on peut utiliser le folklore comme un marqueur de cette diversité. Juste une réflexion pour conclure. Après, je pourrais revenir, si vous voulez, dans la discussion sur quelques détails de cela. Deux questions seulement par rapport je pense qu'il se pose par rapport à ce genre de tentative dans des œuvres esthétiques de contribuer finalement à la construction d'un certain consensus autour d'une idée politique comme celle de la colonisation. Une, évidemment, c'est celle de l'efficacité de ce genre de représentation. Et bon, pour le cas de Chaimit, c'est par exemple un peu compliqué de savoir jusqu'à quel point le succès que le film a eu à l'époque est dû à cette adhésion aux principes idéologiques qui sont représentés, ou alors à cette tentative de création d'un film d'aventure et de grand spectacle hollywoodien dans la cinématographie portugaise. Donc c'est pas très facile à distinguer ces deux puissances. Et encore une fois, par rapport à la cinquième symphonie,
c'est aussi difficile à savoir finalement son impact réel, puisque c'est vraiment une symphonie qui a été jouée dans des commémorations très officielles à Lisbonne à ce moment-là. Et après, a eu une vie de musique de concert complètement autonome. Donc, j'en suis pas très sûr de quelle a été l'efficacité de ces tentatives-là de utiliser la musique pour renforcer ce pouvoir symbolique. Et l'autre question, c'est aussi la question de la mémoire. Quel a été le destin, quel est le destin finalement de ce type de tentative? Parce que en se disant quand même que moi, je pense par rapport à l'analyse qu'on peut faire, qu'il est assez indéniable que ces deux œuvres-là font de la politique, ou au moins qu'elles font politique, mais quel est le destin finalement après de ces objets, surtout des objets comme ceux-là auxquels on peut avoir après un contact parfaitement anachronique, comme par exemple aller à la Cinémathèque regarder ce film sans avoir aucune information sur le contexte ou sur comment cet objet-là il a été produit. Par rapport à la symphonie, il me semble assez clair, et d'ailleurs Paul Frédéric Castro a fait une conférence ici dans cette salle, dans un colloque du CRAL il y a quelques années sur cette symphonie, et il a bien montré comment cette symphonie, par exemple, en particulier, a subi une véritable opération de blanchiment. Ça veut dire que si vous consultez, par exemple, le livre de Delgado, d'où j'ai retiré cette réduction sur la symphonie au Portugal, il est très peu question de tous ces aspects politiques et de tout son contexte. Au contraire, il est même assez évacué. Et si vous achetez le disque disponible, l'œuvre est publiée chez Naxos. Dans le livret du CD, vous ne trouverez aucune référence ni au contexte de guerre coloniale, ni au contexte de commande officielle, rien. Ce qui n'est pas le seul cas, surtout dans la musique symphonique, puisqu'il y a dans la constitution de répertoire de concert une opération de désémantisation quand même très puissante, qui permet donc d'effacer toute la dimension symbolique et programmatique initiale. Et juste pour finir, il y a quelque chose d'assez intéressant. Dans les notes de programme de Naxos, au contraire, ils vont chercher une citation de Braga Sanche qui dit précisément « Bien que j'ai utilisé certains éléments rythmiques et mélodiques de la musique populaire de l'Est de l'Afrique, surtout dans le second mouvement, la musique n'est pas programmatique. Ce qui compte, c'est l'architecture elle-même. » Donc, en même temps, pour le cas du film, bien évidemment, c'est une autre affaire. C'est vrai aussi qu'on peut le regarder seulement comme un film d'aventure, et il y en a d'autres. Je veux dire, la filmographie des années 30, par exemple, est pleine de ce type de films avec des clichés coloniaux très évidents. Et donc, il peut être vu aussi, après tout, simplement comme une sorte de grand spectacle, comme ça, avec des paysages exotiques, des faits de bravoure, des batailles épiques, etc. Mais en même temps, je trouve que la fonctionnalité de cette musique dans une narration cinématographique qui a quand même un contenu assez explicite laisse peu de place pour une quelconque désémantisation. Donc, ce qui ramène à ce débat-là, que je pense que ça peut être intéressant éventuellement pour la discussion, celui de la tension entre, on pourrait dire, une dimension narrative et une dimension architecturale de la musique, qui est, comme on sait, une vieille affaire, mais que je pense que là se joue probablement une des raisons les plus fortes du destin politique souvent ambigu de ce type de production musicale. Merci.